Ouais, les grenades, il y a eu ça, il y a eu la viande. Oh, mais là, c'est la première fois que c'était... Puis il y a eu la banane. Moi, non, c'est un autre sujet. Ça, non, je parlais de ce que je voulais dire quelque chose, mais je me suis arrêté là parce que je sais qu'on va se faire taper les doigts. Parce qu'après, là, tapez-moi la grenade à moi, les autres. Il y a seulement des miroirs ici, il n'y a pas d'autres dimensions. C'est l'antichambre 24 heures pour Vicky, après toi. S'endormir, c'était pas super. Ouais. Puis après ça, ça a été la. Tu sais, ça met pas ton jeu en danger, là. Non, c'est ça. Non. En tout cas, toi, ouais, ça t'a mis en danger. Mais la banane, c'est la moins pire. Je pense que oui. Oui. Mais c'est fatigant, mais ça nuit pas à ta game. Mais là, ça nuit pas à ta vie non plus, ben, là. On s'attend qu'en des gants de boxe, une banane, je vais prendre la banane jusqu'à la fin. Non, j'ai une bonne grenade. C'est ça, toi. Ah, oh, ben, regarde. J'ai une bonne grenade de Lydia. C'est bon, on va mettre ça dans les mains une autre semaine, là. Lydia? C'est moi qui ai dit. Ben, oui. Comment ça, t'as donné une grenade? Numéro 1, puis. Ah, oui. C'est toi qui as eu le pire numéro 1, je pense. Oui, puis j'ai été obligée de naver ma grenade en dedans, j'ai été obligée de mettre du monde, ça, là. C'est moi qui ai décidé ça. Il n'y a pas personne qui a été obligée de décider, OK, vous autres, je décide, vous ne mangez pas. Pas le fun, là. Mais c'est parce que tu tombes. Dans mes viandes, tu avais des montants d'argent. Ça, c'est. Je pensais que la grenade. Ouais, mais ça ne change rien. Elle n'avait pas d'argent, ça. On a tellement parlé. Je pensais que c'était ça, moi. J'étais sûr, en fait, c'est ça. De quoi? Je pensais que c'était une grenade de slop parce qu'on était tous à la bouffe. J'ai vraiment eu cette impression-là, surtout qu'il y a dit les conséquences pour tout le monde. Je pensais que ça pourrait être ça. Une personne. Mais la slop, je pense qu'ils ont leur image. Je pense que ça fait 30 ans. Ben, il a donné une pause de slop, alors ça va revenir. Oui, c'est sûr que ça va revenir. Oui, par la fin. Sans ça, il n'y aurait pas une pause de slop. Tu as raison. La dernière semaine, on va être pas rendu, puis la personne est. Tu vas faire la réflexion. Tu peux pas rester réveillé comme qu'on est resté réveillé et pas manger. Ça tomberait quand. Je veux pas dire que t'étais le buffet, vraiment pas, mais des affaires en dessous de droite, t'en aurais jusqu'à ses cuisses, là. J'étais un des premiers que ça poussait, là. C'est ça, t'imagines-tu si on mange pas qu'on est debout, là, à un moment donné. Ouais. Lui, non, il aurait pas d'affaire. C'est ça, je te dis. Là, j'avais des petites bosses qui poussaient, là. Puis tu mangeais. Imagine pas manger. Non, j'étais à ça. Ouais, non, 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 tu mangeais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous autres, c'est nous trois qui a eu la plus dure. Pas de sommeil, puis une semaine de slop totale. Après Vichy, on a-tu eu quelque chose la semaine de slop, nous autres, à manger? Non. Moi, j'ai eu lundi. Des canettes de gaufres. Toi, t'as vraiment rien eu. Lui, a eu des canettes de gaufres. J'ai pas mangé, j'ai bu du café parce qu'elle devait déjà pas me le battre. Ah, j'avais mangé une toast? Parce que moi, j'étais là. Je sais pas, là, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à me goûter. Ben, ça aurait donné quoi, là? Oui, là, tu sais, ça change rien. Puis de lundi, en plus, qu'on mange pas. Une chance qu'on a pu manger dimanche en nuit. Ben, dans la nuit. Il y avait pas grand-chose. Il y a jamais grand-chose. Oh, God. Le dimanche. Ah, oh, mais là, on s'était payé la traite avec des hot dogs, des frites, là. Ouais. Trop salé, les frites. Seigneur. Hey, il y a du pâté chinois, d'ailleurs. Ah oui? C'est ta portion, toi? T'as-tu mangé ton pâté chinois? Non, je le donne à quelqu'un. Ça valait la peine de tester pour ton pâté chinois hier. Ouais, mais non, je hâte la viande. Il en reste la moitié. Oui, il y a moins de conversation. Ah non, c'est rien que moi. Hein? Aujourd'hui. T'as avec le poli. Je me faisais des harakiri, là. En fait, c'est juste que ta phrase commence par. C'est sûr qu'elle parlait plus. Oui, oui. Elle parlait beaucoup. Ah, c'est drôle, moi, j'allais sortir nerveuse, mais je pense qu'elle serait été plus déçue de rester. Oui, oui, oui. Elle s'en allait, là. Parce que sa chaîne me disait, elle me l'a dit, elle dit, je m'en vais, je m'en vais. Elle était prête. Elle m'a tapé deux, trois fois. Je sais que tu vas rester, je sais que tu vas rester. C'est parce qu'elle va avoir plus d'attention. Ici, au dehors. Ouais. Moi qui l'écoutais. Ça me dirait pas de grenade. En préparant ce que tu allais dire. Au moins, il l'écoutait. Moi, c'est un petit peu. Quoi? Non. Tout chacun, tu Eh non, là, tu sais, elle avait des beaux seins. Tu dis?
C'était beau, ça. Je suis sûr que c'était... Je pensais qu'elle avait des implants, cette fille-là. Non, je pense pas. D'accord. Je pensais qu'elle avait des implants. C'était... Non, mais il y a des rajouts, mais... Elle a des implants? Mais non! Non, c'était de la frime. Du vrai ça. Dans le sens où c'était la brassière qui faisait tout. Ah oui, elle avait des coussins. Moi, je les ai vus, elle avait des coussins. J'ai dit, tu te mets de ça? Elle a dit, oui, je les mets pareil. Ouais, mais ça, ils viennent tous avec ça, les brassières. Oui, c'est ça, je les ai enlevés. Oui, mais ma blonde, elle les met pas. Ouais. Ma blonde non plus, elle les enlève. On peut-tu aller chercher notre valise? Oh, c'est long. C'était long, là. C'était long avant qu'elle...